Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le presque traditionnel unboxing Diamantaire Club du dimanche. Bon, j'en ai plus tant que ça à la maison, enfin tant que ça, à vous montrer. Il doit m'en rester 3, quand même. Il doit m'en rester 3 et une en attente de réception parce que voilà, comme je vous en poste qu'un par semaine et que parfois quand je fais un craquage parmi les nouveautés ou parmi des choses de ma wishlist qui reviennent en stock, j'en prends 2 ou 3 d'un coup. Donc du coup, c'est vrai que comme je vous mets qu'un unboxing Diamantaire Club par semaine, j'en ai accumulé un petit peu, voilà. Mais comme je dis, au moins, je ne m'ennuierai pas quand je serai à la retraite. Retraite, pardon. Ma langue a voulu ajouter un R qui n'existe pas. Bref. Du coup, c'est une bébé toile. Regardez comment elle est toute petite. Une petite toile, toujours avec cette petite boîte magnifique. Moi j'adore tout ce qui est holographique, tout ce qui bouge comme ça. Regardez, oh j'adore. Donc c'est une toile, je vous montre pas, en diamant carré. Ouais je sais, c'est, alors je préfère les diamants carrés, mais chez Diamantaire Club dernièrement j'ai beaucoup craqué pour des diamants ronds, mais comme maintenant je craque suivant le visuel qui me plaît, bah, dernièrement, c'est souvent des toiles en diamant rond, sans que ce soit fait exprès. Alors, celle-ci, vous allez comprendre. Donc, elle est sortie il y a vraiment pas longtemps. Mais le temps que je la reçoive et le temps, là, ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai. Enfin, plusieurs semaines. Je l'ai reçue quand? Je l'ai reçue le 18 janvier. Non. Le 11 février, je l'ai commandé le 18 janvier, je l'ai reçu le 11 février, je l'ai commandé le jour de sa sortie, parce que comme j'ai dépensé un certain nombre d'euros sur leur site, je fais partie du truc VIP, je sais pas quoi, et une demi-heure avant tout le monde, avant ceux qui n'ont pas ce statut-là, entre guillemets, je reçois un mail avec les nouveautés de la semaine, donc c'est tous les samedis à 18h, 18h10 qu'on reçoit le mail, avec les nouveautés de la semaine. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, oh là 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 là, je fonce avant qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, elle a mis presque un mois à arriver, mais elle est quand même à la maison depuis le 11 février, et là je filme, on est le 2 mars. Voilà, donc au final c'est une nouvelle toile, mais peut-être que vous l'avez déjà vue en unboxing sur YouTube, parce que je vous fais la vidéo que maintenant. Alors, c'est parti. Donc, ah oui, j'ai pas montré le tout le kit. Mais comme d'habitude, petit toolkit de qualité avec la barquette transparente, les pains de cire en forme de cœur, les petits sachets zip autant que vous avez de couleurs, le petit stylet classique bleu, le petit embout mousse pour mettre autour pour que ce soit plus confortable, et comme c'est une toile en diamant carré, la pince en métal noir que j'adore. Voilà. Et je vends exactement les mêmes sur ma boutique. J'ai réussi à trouver un fournisseur qui vendait les mêmes à un prix pas trop dégueulasse pour que je puisse vous les proposer. Enfin, pour que je puisse vous les proposer pas trop cher. Et du coup, elles sont sur ma boutique, ces petites pinces. Et moi, je m'en sers absolument tous les jours. La mienne est là, vous voyez. Hop, j'ai la mienne qui est juste là. Je l'ai toujours à portée de main parce qu'elle me sert tout le temps. Donc, petite toile, comme d'habitude, en peau de pêche velours toute douce. Le bord dentelé magnifique. On va sortir les diamants. Waouh, waouh, waouh. Vous avez le petit papier qui vous explique comment fonctionne un diamond painting. Et regardez, je vous montre un peu les couleurs. Alors, je ne suis pas hyper fan de bleu, mais est-ce que ces couleurs ne sont pas juste magnifiques? Ouais. Donc, ah, on voit le nom. Alors, peut-être que le nom ne vous dit rien. C'est parti. Donc c'est une petite, enfin petite, comme c'est pas bord inclus chez Diamantaire Club, les petites paraissent quand même grandes. C'est une, je vais vous dire tout de suite, une 43 x 59 cm, et ça c'est pas bord inclus, c'est juste la taille de l'image. Vous allez voir, vous êtes prêts? J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va donner en fait en vrai, tout simplement, parce que j'ai tellement craqué direct quand je l'ai vu dans le mail que je l'ai commandé tout de suite. Donc voilà, attention, et la voici. Waouh,
Oh, elle est trop trop belle. Regarde, elle est belle. Magnifique. Magnifique. Arrête, tu se moques. Non, elle est trop trop belle. Donc, bon, les couleurs sont très très claires. Là, on n'est pas sur du multicolore bariolé et tout. On est sur, sur Bombi qui a les pattes dans la neige. Hein. Donc, c'est très. Des couleurs très froides, voilà. À part Bombi. Voilà. Bombi et les petites fleurs, les quelques petites. Pas fleurs, feuilles. Dans les arbres. Elle est trop belle. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, oui, ce que je vous disais, c'est que la taille, quand on commande sur AliExpress, 4. Merci pour la machine à café! Merci pour la machine à café. Ça va, d'habitude c'est Arimo qui fout le bordel. Ouais, bah et pour une fois il est calme. Ah voilà. Bon, arrête, chaque fois. Donc les trois quarts du camp, du camp. Mais voilà, j'ai dit du camp au lieu de dire du temps. Tu fais bien ce que tu veux, moi j'ai rien fait. Mais j'en ai marre. Alors les trois quarts du temps, quand vous commandez sur AliExpress, les indications de la taille de la toile. Ils comptent, eux, avec les bords inclus. Donc, c'est un peu de l'arnaque. Mais avec le temps, on le sait. Hein. Tandis que là, chez Diamant Interclub, les... j'ai dit quoi, déjà ? 43x59, c'est que l'illustration. Ils ne comptent pas les bords. Voilà. Donc, c'est une illustration de Safina Art. Il y a 30 couleurs. Donc, bon, elle n'est pas très grande. Donc, il n'y a pas énormément de couleurs. Puis, comme c'est à peu près les mêmes teintes... Au revoir. Comme c'est à peu près les... Enfin, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes. Donc, du coup, il n'y a que 30 couleurs. Ouais, c'est un peu... Merci, Angélique. Donc, j'adore les couleurs. Je la trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, j'adore. Puis cet effet un petit peu de... On voit au loin. Je ne sais pas... Cet effet de profondeur. Voilà, c'est mieux. J'aime beaucoup. Alors, au niveau du collant. Ça colle pas des masses, mais à la pose, je sais que Diamant Art Club, les diamants collent hyper bien. Mais c'est vrai que là, bon, on n'a pas le doigt qui reste méga collé, mais ça colle très très bien. Au niveau des symboles, bah, vous trouverez pas plus net, hein, ça je le dis à chaque fois. Mais voilà, je pense que vous voyez. Je vais essayer de vous montrer là dans le violet. J'essaie de vous montrer un petit peu partout, mais bon, c'est, enfin, la qualité est nickel. À n'importe quel endroit de la toile. Est-ce que je vais réussir? Voilà. Tac. Ensuite, elle est en. Comme d'habitude, elle se déplie très bien parce que la toile est très lourde et elle est de bonne qualité. Donc voilà, là on pourrait directement commencer sans avoir besoin de l'aplatir. La toile est pailletée, hein, comme d'habitude. Je ne sais pas si on va le voir. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas, mais. C'est tout pailleté. Et c'est très très beau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Les stickers, oui. Il m'a déboussolé en venant faire son café. Donc le petit stickers qui rappelle le nom de la toile Snow Deer, donc le Bambi de neige, enfin le fond des neiges. Avec le nom de l'artiste, vous avez le type de diamant, donc la square, donc les carrés, et la taille. Et ça, c'est si vous avez un petit carnet de suivi ou autre hein, pour le mettre dedans. Comme d'habitude, on a, là vous allez voir mieux le rendu, on a ce grand stickers où vous pouvez découper l'illustration en plus grande. Elle est beaucoup plus grande, hein. Je vais essayer de vous montrer par rapport à la petite que je vous montre à chaque fois, vous voyez. Voilà, elle c'est vraiment une grande illustration, enfin une grande image quoi. Voilà, elle est magnifique. Et on a... les DMC avec les couleurs que vous pouvez directement découper et coller comme c'est autocollant sur vos boîtes. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu les symboles si vous voulez voir. Il n'y a pas l'air d'avoir de symboles ressemblants, donc ça va aller. Parce que des fois quand il y a un trait comme ça, mais que c'est à peu près la même couleur, c'est pas cool, pas cool. Non, là je regarde, ça a l'air d'aller. Ok. Je déballe les diamants pour éviter que ça... Je le fais hors caméra. Enfin, hors caméra. Je couperai au montage pour éviter que ça fasse du bruit. Et je vous retrouve tout de suite pour qu'on regarde un petit peu les diamants. Allez, c'est parti. Donc, je vous dis pas les numéros à chaque fois, mais je vous montre. Alors, je suis pas fan du bleu, mais les bleus de cette toile, je trouve qu'ils sont très très beaux. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pourtant, je suis pas fan de bleu. Donc voilà, bleu est la couleur prédominante dans cette toile.
Oh, j'adore, j'adore les couleurs. Donc là, on a deux sachets, trois sachets. Hop. Ça, c'est la même couleur. Là, un beau vert d'eau. J'adore. On en a deux sachets. Bleu comme ça, on en a deux sachets. Une couleur un peu plus turquoise. Ouais, il y a un peu plus de vert dans ce bleu-là que ce bleu-là. Très très beau. Pareil, on en a trois sachets. Et donc, là, on est gâtés. Donc ça, c'était la première ribambelle. Et la deuxième avec les diamants où il y a le besoin le moins de diamants. Donc on a ce rouge très sombre qui est sûrement le rouge des feuilles. Je vais regarder par curiosité. 666, comme par hasard. Oui, alors pas toutes les feuilles, mais c'est... Oui, si, elle entière, là juste le haut. Elle entière, juste le haut, ok. Ensuite, un petit violet, un rose très flashy. Il va où celui-là? C'est les oreilles. Oui, les oreilles. Enfin, l'intérieur des oreilles. C'est juste pour l'intérieur des oreilles? Vous voyez, à chaque fois, je suis en train de regarder, mais oui. Oui. Donc, à chaque fois, il n'y a pas de problème de quantité. Hein. Juste, vous voyez, là, on a juste 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 diamants. On n'a besoin que de 36 diamants de cette référence-là. Et là, je pense qu'il n'y a plus de 36 diamants. Donc, ils ne sont pas radins. Ensuite, un orange, un peu vieux orange comme ça. Un marron caramel. Là, on dirait un noir, mais c'est un bleu très, très foncé. Un bordeaux. Un marron foncé, un AB. Regardez, un petit jaune pâle AB. Ah, il est trop beau. Vous voyez ces petits reflets. Donc le 129. Donc il y a deux AB dans cette toile, hein, de ce que je vois dans les DMC. C'est le numéro 1. Le numéro 1, ben voilà, c'est le tour de l'œil de Bambi, son museau, les petites taches sur son pelage, le dessous de sa queue et son petit torse. Plus un petit peu là. Dans le tronc de l'arbre. Et voilà. Ensuite, 828. Bon, il y a pas mal de marron aussi, puisqu'il y a les branches. Hop. Encore un caramel, un petit peu. Et le second AB, qui est un orange très flash. Très, très beau. Vous voyez ces beaux reflets. J'adore. J'adore, j'adore. Et le 133. C'est le numéro 2, et ben c'est tout le reste de Bambi. Ah oui, donc Bambi va être très brillant. Oh, ça va être trop trop beau. En fait, voilà, c'est tout le orange que vous voyez sur Bambi. Alors, pas sa tête là qui est un peu rouge, ni ses oreilles roses et le bout noir, mais vraiment, voilà, vraiment tout son pelage, c'est avec ce AB là. Donc en sachant qu'il y a ce AB là pour le pelage, plus les petites taches et les détails en jaune là que vous voyez, qui vont être aussi en AB, la pointe de brillance va être au max sur le Bambi, ça va être trop trop beau. En même temps, voilà, c'est le petit truc à regarder entouré de neige, donc ça va être super joli. Un petit bleu. Tac. Et un petit sachet de noir. Et encore du bleu. Voilà. C'était ce petit unboxing avec cette sublime toile Bambi. Encore une fois, voilà, c'est la belle surprise avec Diamond Art Club parce que je trouve les toiles encore plus belles en vrai qu'en photo. Donc ça, c'est la très bonne surprise. Comme d'habitude, l'avantage avec ce site, c'est qu'on peut commander les yeux fermés niveau qualité. On sait qu'on va recevoir la toile en bon état. On sait que la qualité va être irréprochable, que ce soit au niveau de la qualité de la toile, de la qualité d'impression et de la qualité des diamants, que ce soit carré ou rond. Donc honnêtement, c'est tellement... comment je pourrais dire, ça soulage entre guillemets, même si c'est pas le stress de la vie, mais ça soulage de savoir qu'on peut commander sur tel site les yeux fermés. Voilà, on se dit pas mince, dans quel état va arriver le carton, est-ce qu'il va y avoir des rivières, est-ce que ça va coller, est-ce que ça va être flou au niveau des impressions, est-ce que les diamants vont être bien taillés. Enfin non, là on n'a pas ce stress là en fait. Donc
C'est tellement, même si le prix est plus élevé, mais c'est tellement plus simple de craquer parce que dès qu'une illustration nous plaît, bah, on est très tenté. Voilà. Du coup, cette petite toile, je l'ai payée 41 $, donc ce qui fait à peu près une trentaine d'euros, je pense, de tête. Et j'ai pas mon téléphone, mais je pense 31 €, 32 €. Donc bah, ça vaut grave le coup. Voilà, pour une toile Diamant Art Club, ça vaut grave le coup. Voilà, et ben, je vous avais dit, ça avait été un petit peu long. Enfin, un petit peu long. Moi, je trouve que ça va encore, mais commandé le 18 février et reçu le... Non, le 18 janvier, reçu le 11 février. En sachant que dans la commande où j'ai pris cette toile-là, j'en ai pris une autre qui était de retour, une qui était dans ma wishlist et qui était de retour en stock, que vous verrez lors du prochain Unboxing Diamant Art Club. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais super contente encore une fois de faire cet unboxing avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'ai un problème avec les R, j'ai un accent un peu campagnard, hein, mais je vis à la campagne. Mais j'espère. donc j'espère. Non mais je roule les R, hein. Il y a un truc. Hein. Bref, mais je m'en rends compte, donc. Ouais. Mais du coup, je fais attention qu'à ça maintenant. Bref, je vous fais des bisous. Merci de m'avoir supporté pendant ces 16 minutes, presque 17. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!